Yo, c'est ton poteau en Dirty, j'espère que vous allez bien les gars. Moi, ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Aujourd'hui petite vidéo sur la quête coopérative Bankai Nouvel An 2024. Le titre est un peu long, Bleach Brave Souls, mais tranquille, aujourd'hui je vais vous parler de cet event, pourquoi il faut le faire, à quoi ça sert. Voilà, comme d'habitude tu connais les petites vidéos chill du matin où on fait des petits tutos, surtout pour les débutants les gars, comme d'habitude, hein, ça fait toujours une petite piqûre de rappel. Pourquoi il faut faire cet event les gars? Déjà, il y a eu une quête coopérative la dernière fois et il n'y avait que les potions. Et moi les potions, bon, j'en ai déjà beaucoup. Pour les débutants, il faut le faire absolument parce que bah forcément, tu commences, tu débutes, c'est très facile à faire. Et c'est toujours bien pour monter les personnages au moins T10. Mais là, il y a les super potions en plus. Et quand il y a les super potions, il faut faire. Sachant qu'en plus, si tu as un extra stage et tout ça qui tombe, tu peux te mettre ultra bien. J'ai eu des chiffres de ouf, des 1600, des trucs comme ça. Super potions, donc faites absolument cet event là, au moins les 100 runs, parce que tu as un ticket 5 étoiles comme tu peux le voir sur la droite. Bon, un petit con aussi, mais ça pue. Et franchement, cet event en stream, c'est cool à faire parce que bon, c'est redondant, c'est très facile. Il y aura zéro difficulté en tout cas pour moi de faire ça. Ce qui est cool en plus, peut avoir des points de débutant pour avoir encore des petits tickets 5 étoiles, des petits tickets de loterie et tout ça, et des tickets bref souls. Donc je ferai ça en stream, pas aujourd'hui, mais parce que j'ai les chroniques à faire encore, donc j'ai envie de finir les chroniques. Comme ça, j'ai déjà fait les raids, j'ai fini les chroniques et je me dis bon, bah il y a l'event à point, mais je pourrais le faire aussi. Mais là, je veux me donner à 100% sur les quêtes coopératives. Comme ça, je suis tranquille et bah voilà, comme ça, je me mets bien si j'ai de la chatte. Donc les gars, terminer la quête coopérative une fois, 20 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois, tu as des récompenses, un ticket de loterie 5 étoiles, 5 étincelles du renouveau, des potions, du coup des super popos de connaissances et de force, et le cône 5 étoiles qui est claqué, mais ça te fait des arbres, tu le montes. Ensuite, détail des récompenses, voilà, les super potions, très intéressant, parce que, comme je l'ai dit, si tu arrives à toucher avec les personnages bonus, bien sûr, ils ont fait exprès de mettre ce genre de personnage là, pour pouvoir, voilà, te dire, bon, si tu as un des persos, les gars, bah tu as 50% en extra stage, pour que ça pop. On ne dit pas non. Mais là, les gars, moi, je vais mettre tout simplement mon Ikura. Et comme j'ai dit, c'est un portail premium. Même si les personnages sont très bons, je n'ai pas envie d'invoquer sur un portail premium. Donc, les gars, moi, je vais utiliser le Ikura. Après, vous utilisez n'importe lequel. Tant qu'il y a 25% de bonus, je veux voir dans les runs. Voilà. Forcément, hein. Même si vous ne le jouez pas, mettez-le juste T10. Mettez-lui des équipements décents et puis c'est parti. De toute façon, vous allez vous faire carry. Moi, je vais partir à l'arrache. Bon, bien sûr, je vais mettre du stuff et tout ça, mais le Ikura en plus, il pose le shield et tout ça. Donc, ça fait plaisir. Attaquant en distance, on sera tranquille. Donc, voilà les gars, le pourquoi du comment il faut faire cet event. C'est pour ça. Moi qui suis un gros feignant au niveau des super potions, eh ben, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'event. Voilà, parce que bien sûr, je farme les quêtes coop en super potion quand j'en ai besoin, mais c'est vrai que ce genre de truc, si il y a moyen de grappiller un petit extra bonus là, et puis et un petit stage et tout ça, et puis après tu touches, je sais pas moi, un petit 1000, un petit 800 de super potion, tu vois, on se frotte les mains, parce que c'est ça de moins à faire. Donc voilà les gars, du coup on va faire un petit event, on va voir ce que ça donne. Mais c'est juste pour vous montrer, comme d'habitude, à quel point c'est facile et surtout bah, comment tu peux te mettre très très bien en très peu de run. Après, bien sûr, c'est pas sûr que ça tombe à chaque fois. Donc on va essayer de se mettre bien. Tu peux mettre en auto, il n'y a pas de souci. Ça va passer. Mais j'espère juste que voilà, les temps d'attente, des fois ça peut être un peu long. Bon. Je pense que voilà, tout le monde là va faire l'event, donc il y aura énormément de gens. Et surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font cet event et qui ont envie d'avoir le bonus. Il y en a qui donnent énormément de tickets. Moi, je sais que la dernière fois qu'il y a eu ça, bah, c'était pour l'anniversaire et on en avait claqué des tickets. Hein. On en avait claqué et franchement, en ce run, je me suis mis plutôt bien. Donc là, les gars, on va tenter ça en vidéo, comme ça, on voit ce que ça donne. Et comme ça, vous voyez surtout, hein, comme d'habitude, les récompenses qu'il a gagné. C'est toujours ça de fait. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Sachant qu'en plus, moi, je pose mon petit shield. Et je me mets bien, j'attaque à distance.
j'ai pas de problème. Mon perso en plus, j'ai pas montré le stuff, mais c'est du note classique. Et en bonus, j'ai mis dégâts d'attaque normale. Et surtout, je crois que c'est un bonus de puits de force, forcément, ou technique plutôt. Donc comme ça, ça me fait toujours des larmes en plus. J'ai pas de bonus popo, c'est dommage. Mais j'aurais pu, je pourrais mettre en vrai. Hein. Je pourrais mettre que des bonus popo en vrai. En plus 5, tranquille, en 5%. Tranquillou. Alors, vous voyez, hein, très 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 facile. Rien à dire, sachant qu'en plus, normalement les persos, les gens ils les ont montés. Et moi j'ai mon petit shield. Donc je protège les gens tranquillement, j'attaque à distance. Et puis voilà. En espérant que ça prod direct, ça serait incroyable. Un petit bonus extra stage là, bim, d'un coup. Mais c'est vrai que des fois, il y en a, ils ont des runs vraiment claquos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je sais pas si j'ai demandé le petit pouce bleu et tout ça. Mais comme d'habitude dans cette vidéo, mettez le petit pouce bleu, une petite centaine de pouces bleus les gars. Ça fait toujours plaisir d'en avoir plein des petits pouces bleus. Surtout comme d'habitude, tu connais le référencement, tout ça, les bails de youtubeurs et tout ça. Mais c'est surtout, c'est gratifiant de voir qu'il y a plein de pouces bleus et que les gens, bah, ils apprécient ce que tu fais. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et mettre votre petit commentaire, comme d'habitude. Alors bon là, il n'y a pas eu de extra stage. Est-ce qu'on peut se mettre bien? Et sachant qu'en plus dans le Discord, à mon avis, il y a plein de gens qui ont envoyé des petits messages et tout ça pour lancer des runs. Donc profitez-en les gars. Ce sera beaucoup plus facile pour, par exemple, des débutants et tout ça. Alors, est-ce qu'on a eu des trucs? Non. C'est classique. On a eu du classique. Après, c'est sûr que si t'as pas d'extra stage, bon... C'est pas très très worse. On va faire une deuxième fois. Comme ça, pour vous montrer ou pas, si on drop un extra stage. C'est ça, en fait. C'est un peu notre invocation à nous, tu vois. C'est le moment où tu te dis, ah, est-ce qu'on va avoir un extra stage et tout ça. C'est vraiment pareil. C'est du suspense, en fait. On se fait bait au niveau des tickets. Mais tranquille, c'est pas grave. On vit pour ça, nous. On vit pour ça. Pour qu'il y ait du tu sais... Des frissons, quand tu joues, quand... N'importe quoi. Allez, n'hésitez pas à venir, hein. Les gens, n'hésitez pas à venir. Normalement, vous avez vu, hein, c'est très rapide. Il y a des fois, je sais pas pourquoi, il y a des events de temps en temps quand c'est en quête coop. Et des fois, il y a des moments où il va y avoir personne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de lancer des runs sur des quêtes coopératives et avoir personne. Surtout sur des genres de quêtes comme ça. Mais bon... Là, on a mis la condition, tu vois. Même un niveau 50, je vais l'accepter. Tu vois, il a ramené son petit bonus. Voilà, c'est le cure à coup. Ça fait plaisir. Mais il est niveau 50, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va le saigner, l'event. Donc, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. 50%, là, ça, par contre, ça régale. Allez. Mais en plus, il avait un perso safoui. Il était pas en bonus, son perso. Bah oui. En plus, c'est bien. Parce qu'il y a des gens, des fois, les gars, ils lisent pas les titres. Hein. Il y a écrit Only Bonus. Donc nous, on veut que du Only Bonus. Ok? On veut pas des persos extra, je sais pas quoi, là. Ok? On veut un maximum d'extra stage. Voilà. Pedro, il a compris. Il y en a, des fois, ils lisent pas trop les titres dans les trucs. Hein. Hmm, on vous a à l'œil, les mecs. On vous a à l'œil, les mecs. Alors, du coup, on joue avec DK Spy, Ken Pachi et Pedro. Est-ce qu'on va avoir un petit extra stage? Ça, c'est la petite question. Mais au moins, vous voyez que bah, ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, je joue en auto. Tu calcules pas le jeu. Tout se fait tout seul. Je mets mon petit shield. Je fais très très mal à l'auto. Bon, les gars, y a rien à dire. En plus, je crois que les extra stages sont différents. T'as différents types de comment dire, d'apparition de terrain. Si je dis pas n'importe quoi, t'as des types d'apparition de terrain. Et selon l'apparition, c'est la rareté qui change. Donc en espérant que... Même je crois que le boss peut changer. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que le boss peut changer. Si on a un extra stage vraiment bien. En espérant en avoir, en tout cas sur les 100 runs. Sur les 100 runs, j'espère en avoir. Allez, la petite bande, ça se passe très très bien.
Regardez, hop, le petit shield qui va être posé. Si j'ai envie, hein, bien sûr. Voilà. Petit shield. Hop, hop, on découpe. Et là, normalement... Voilà, bon, on n'a pas eu d'estrastage. C'est ça le problème. Mais des fois, même s'il n'y a pas d'estrastage, tu peux toucher les petits trucs. Par contre, j'ai la gorge qui me gratte depuis tout à l'heure. Voilà. Et j'ai envie de tousser, mais je me retiens. Mais c'est pas bon de faire ça, parce que t'as encore plus envie de tousser. Alors, qu'est-ce qu'on touche ici? Qu'est-ce qu'on touche? Et comme je vous ai dit, il y a des petits... petite mission à faire. Et surtout les points d'assistance aussi, ça peut être cool. Donc s'il y a des débutants dans ton truc, et bah moi j'ai 283 points. Si on peut toucher des petits tickets et tout en plus, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a eu quelque chose? Moi je regarde surtout les potions. Ah, 80. Tu vois, 80 potions. On prend. C'est cool. Donc, petite super popo ici, ça fait plaisir. Donc voilà les gars. Le pourquoi du comment, les gars, il faut faire cet event. Faites au moins les 100 runs, ça coûte rien, les gars. Vous prenez vos petits tickets. Et puis voilà, quoi. Ok? Donc, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton poteau, Mantemertille. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, la petite bise. Et puis, bah, farmez bien, les gars. Et puis, je vous donnerai la petite notif sur YouTube pour une fois et sur Discord surtout pour quand je vais faire cet event-là. Mais ça va arriver très très vite, comme ça. Là, faut que je saigne vraiment les chroniques, comme ça je prends mes récompenses et j'ai plus à me dire. Sachant que c'est en bonus x2, il faut en profiter. Ok? La petite bise, on se retrouve pour une prochaine vidéo.